Bonjour à tous, merci d'être encore avec nous cet après-midi. Nous allons parler de l'Europe. Vous avez vu que les organisateurs d'Amadeus, pour une fois, ont voulu organiser un panel 100% européen. Je crois qu'il y a une sorte de message subliminal derrière ce panel qui, en quelque sorte, peut se résumer ainsi. Nous avons beaucoup de choses, nous, dans les pays du Sud, à dire aux Européens. On parlera peut-être aussi de la politique de voisinage, de ce que les Européens ont à dire aux pays du Sud, mais peut-être que les pays européens ont d'abord un certain nombre de problèmes à régler entre eux, au préalable. Et de ce point de vue-là, effectivement, l'Europe donne du souci à beaucoup de gens en ce moment. C'est le thème particulièrement de notre discussion aujourd'hui. Il faut retrouver de la croissance, il faut retrouver de la compétitivité, il faut retrouver peut-être aussi de la cohésion entre les Européens, régler un certain nombre de problèmes de gouvernance et faire en sorte que l'Europe se remette peut-être un peu à avancer et de préférence avancer dans la bonne direction. Je vais vous présenter les panélistes, comme on dit, qui sont tous très éminents. Je vais commencer par madame qui est au milieu quand même, Marie-Lizin. Comportement démodé, dit-elle. Bah écoutez, excusez-moi. Ancienne présidente du Sénat belge. Il n'y a que des Européens convaincus ici, donc je n'insisterai pas sur leurs différents mérites. Nous avons le plaisir d'accueillir à nouveau ici à Tanger M. José Luis Rodríguez Zapatero, l'ancien président du gouvernement espagnol, dont la parole est toujours attendue avec intérêt, impatience. Nous avons Monsieur Peter Ballas, qui est juste à sa droite, ancien ministre des Affaires étrangères hongrois, ancien commissaire européen également, qui reste très impliqué aujourd'hui encore dans les problématiques européennes. Jacques Barrot est à la gauche de Madame Lizin. Jacques Barrot, ancien ministre français, ancien commissaire, ancien vice-président de la Commission européenne. Et Jacques Barrot, aujourd'hui, est membre du Conseil constitutionnel français. Je n'oublie pas Yves Bertoncini, qui est directeur de l'Institut Notre Europe, qu'on appelle aussi l'Institut Jacques Delors. Et puis Monsieur Kubilius, qui est à ma gauche, qui est un ancien Premier ministre lituanien. Je vais commencer tout de suite, je le disais, peut-être parce que sa présence est symbolique, et puis... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, ça fait, Monsieur Zapatero, longtemps que je ne vous ai pas entendu. J'aimerais bien d'abord savoir quel diagnostic vous portez sur l'état de l'Europe aujourd'hui. Vous avez terminé votre deuxième mandat à un moment particulier, à un moment charnière. C'était en plein cœur de ce qu'il y avait de plus violent dans la crise européenne. Depuis, il y a eu un changement politique dans votre pays. Il s'est passé beaucoup de choses. On dit que l'Espagne redémarre, elle va dans la bonne direction. Vous nous direz aussi ce que vous... si nous avons des raisons d'être optimistes pour l'Espagne, mais peut-être d'abord de votre point de vue, de la gravité du problème et peut-être les erreurs qui ont été commises jusqu'ici et ce qu'il faudrait faire pour repartir dans la bonne direction. Muchísimas gracias. Deseo en primer lugar expresar mi satisfacción por estar nuevamente en este foro, aquí en esta ciudad, en Tánger, ¿no? Y en Marruecos, un país amigo, un país que hoy es un buen ejemplo. Es un buen ejemplo de cambios, de reformas, de avance de la democracia a la vez que avanza la economía y tiene un futuro
creo que muy esperanzador. Europa. Europa es un gran proyecto, un proyecto de gran ambición política. Y dentro de Europa, el euro ha sido una pieza fundamental. Pero, en mi opinión, el euro se concibió con algún fallo de nacimiento, con algún fallo de nacimiento, a la hora de establecer todos los pilares que el euro debería de llevar. Una moneda única exige una unión fiscal, una moneda única exige una unión bancaria, una moneda única exige una integración mayor de las economías. Lo cierto es que cuando la crisis irrumpe, financiera, imprevista, no hay mecanismos de respuesta. Y por ser muy sintético, diré que observamos una situación muy singular. Y es que los países con la renta per cápita por debajo de la media, cuando el euro se forma, los que tenían que converger son los que han tenido problemas de deuda y los problemas más graves de crecimiento, es decir, Italia, España, Portugal, Grecia e Irlanda. Tanto esa foto es importante tenerla en la cabeza porque nos dice que en el origen esa divergencia en las economías ha influido. Segundo lugar, ¿cuál es la situación hoy? La situación es de una ligera expectativa de recuperación económica y financiera, fundamentalmente porque el Banco Central Europeo, en julio de 2012, afirmó que haría todo lo necesario para que el euro sobreviviera. Si Estados Unidos ha salido de la crisis hace 3 años, si Gran Bretaña ha salido antes de la crisis, si Japón está con perspectivas más claras, la razón fundamental es porque han hecho una política monetaria mucho más expansiva que Europa. Nuestro Banco Central ha sido más ortodoxo y no ha favorecido la expansión monetaria. Esto a corto plazo ha sido un hándicap para la recuperación, porque en una crisis monetaria lo que falta es la liquidez, lo que falta es el crédito y aquellos países con una deuda alta no pueden empujar sus economías con facilidad. Y por tanto esperemos que el Banco Central Europeo adopte nuevas medidas más ambiciosas desde el punto de vista de la expansión monetaria. Será la única manera de ganar tiempo a la recuperación de la crisis en Europa. Más allá de la situación concreta, Europa tiene ante sí un reto. Nuestra materia prima, nuestros commodities, son fundamentalmente la capacidad de unión política y de unión económica que tengamos. De poner en marcha, por ejemplo, una unión energética, que es un gran condicionante de la competitividad de la economía europea. No olvidemos que, en comparación con nuestros rivales fundamentales, Europa tiene unos costes energéticos muy altos. De avanzar en la unión digital, de avanzar en la unión bancaria, de avanzar en la unión fiscal. Ahora acabamos de comprobar todo el debate que hay en torno a la fiscalidad que Luxemburgo tenía con grandes empresas. Si Europa no avanza en una unión política más sólida, pues será muy difícil que pueda mantener la competitividad con el mundo de los países emergentes, que marcan hoy el liderazgo de crecimiento económico en el mundo, o con Estados Unidos, que, como sabemos, está especialmente en el campo energético ganando un escenario no previsto. Y, por último, creo que Europa no puede perder sus anclajes
históricos de relaciones comerciales. Por supuesto, ese anclaje histórico de relación comercial se llama Mediterráneo. Se llama Mediterráneo. La historia pone de manifiesto que, desde el punto de vista económico, los mejores momentos de la historia, pienso en siglos atrás, han sido cuando Europa y el Mediterráneo han tenido un comercio y una integración económica grande. Y por ello abogo por un relanzamiento de la Unión por el Mediterráneo que no nos desconcierte ahora la situación de algunos países árabes, que es muy delicada. Y concluyo. Estamos hablando al final de política. De política. Para que esa unión política europea se pueda consolidar, avanzar, Europa tiene que pensar como un país, más que como 28 naciones, y la zona euro más como un país que como 18 naciones. El riesgo que tenemos político es que las tendencias de recuperación de la soberanía nacional se expandan como consecuencia de la crisis. Por tanto, no cambiemos los valores ni las lealtades. Hoy hay que apostar más fuerte que nunca por la unidad europea, por la unión, por la integración más fuerte cada día. Esa es mi posición. Y no olvidemos que Europa tiene detrás de sí grandes activos, grandes universidades, el talento, la investigación, el conocimiento y sus consolidadas democracias políticas. Gracias. Merci. Je reviendrai sur un certain nombre de points que vous avez abordés. Vous avez tout de suite mis le débat sur le plan politique, évidemment, et je comptais le faire peut-être un peu plus tard, mais continuons à faire un tour de table. D'abord, je voudrais avoir peut-être l'avis de M. Kubilius. Vous venez d'un pays qui est la Lituanie. Vous avez été Premier ministre de ce pays jusqu'en 2012. Quand M. Zapatero dit il faut plus d'Union européenne, il faut parier sur l'Union européenne, il faut aller de l'avant. Est-ce qu'il n'y a pas d'abord, et il le dit lui-même d'ailleurs, il y a un risque que les pays essayent plutôt de retrouver leur souveraineté nationale. On voit tous ces mouvements populistes qui prospèrent en Europe. Est-ce qu'il n'y a pas au préalable des signes à montrer à cette opinion publique européenne en réglant un certain nombre de problèmes qui sont manque de croissance, chômage, etc. etc. Autrement dit, est-ce qu'on ne met pas la charrue avant les bœufs ? Well, thanks a lot, really. First of all, thanks to Amadeus Foundation and Institute for inviting me to this very interesting conference. And in a very short way, I would answer to your question in a very simple saying that I agree with what Prime Minister Zapatero said. We need to have more of union inside of union. But also, I would like to speak about our national experience and my personal experience. Yesterday and today, I was listening to all the discussions here about Africa rising and failing states in Africa, and really that is very, very interesting and very important. And I understood that we are a very good example to some African friends with our history. 25 years ago, we ran away from failing Soviet Empire. We had a lot of possibilities to become a failing state, also a failure state. Successfully, we managed to avoid such a development. Of course, we are living maybe in a more peaceful region, but also because of several reasons why we were a successful country. My personal story is very simple. I joined Lithuanian politics back in 1990. I was Prime Minister of Lithuania two times, back in 1990 and 2000, and then in 2008 and 2012, on both occasions during quite a severe economical crisis. I have such a brand name
crisis manager. So when next time I will become a prime minister, we will know that Lithuania again is hit by some economical crisis. That's my fortune. But also, Lithuania really, being quite a small country in the Nordic-Baltic region, you should know that we are only 3 million people. So we are a little bit bigger than Tangier City, but less than Casablanca City. We managed not only to create from zero democracy institutions, human rights institutions, market economy institutions during those 25 years, we successfully joined EU and NATO. This year we celebrated 10 years anniversary of being members of EU. Back 10 years ago we had our GDP per capita somewhere around 45% of EU average. Now we have 75% of EU average. We became better than our neighbors in Poland or Estonia. For us, it's the most important thing is to become better than your neighbors. We were hit quite heavily by recent global crisis back in 2008, 2012. In 2009, we lost in our GDP somewhere around of minus 15% during 1 year. But we survived. Our economy recovered very rapidly. Now we have one of the largest growth numbers in Europe. We shall finish this year with the growth around of 3%. So, and during those 25 years, we went through different, sometimes very, very, very painful experiences, but we survived. We consider ourselves as being really a dynamic country, dynamic economy, and that is what we would like to see also in Europe. But when we are talking about Europe, again, I am always trying to be more optimistic than pessimistic. If you look into the history of Europe, Europe was always developing itself from one crisis to another crisis. Going out from each crisis, Europe was becoming more consolidated and more united. And that is exactly what is happening just now. So I agree with Prime Minister Zapatero that Europe needs to become more united. But the way in which Europe is becoming more united sometimes is very painful. Europe, first of all, needs to be hit by the crisis, and Europe manages to become more united. This is the way how Europe develops itself. Now Europe really is facing a lot of different problems. And one of the major problems is very well described by three numbers which Angela Merkel often is repeating. Europe has 7% of global population. Europe is producing around of 20% of global GDP. And Europe has 50% of global social spending. And that becomes really a challenge for Europe. So how to manage such big social spending with GDP percentage of global GDP when that is shrinking? So only two answers. Really is to look how to keep GDP numbers as large as possible. So for that reason, Europe needs to become more dynamic and more innovative. And perhaps even Europe needs to look how to increase its numbers, physical numbers. So that is why I'm, for example, in favor of Turkey, and of course for us it's very important, Ukraine, to become members of EU. That will make Europe stronger. Second, of course, is to look into social spending. What to do with the social spending, how to keep such big numbers as we have just now. And perhaps there are also the answers which our Scandinavian neighbors are giving to not only to Europe, but to the whole world. Sweden, for example, is really having quite a large social security services, but also Sweden is able to keep a very dynamic and very innovative economy. So let's look to the examples. That is where I would like to say that in conclusion, that for us, during all those 25 years, the only factor which allowed us to avoid
to become a failed state was very simple. That was perspective for us to become members of EU and NATO. That was keeping us on track. That was not allowing us to make big political mistakes. We are not so clever to avoid on ourselves. Assistance from Brussels was really of a crucial importance. And I'm always trying to convince our friends from old Europe that here Europe is very successful. Successful in bringing peace and prosperity to the neighboring regions through possibility for those countries who are in the neighboring regions in one or another way to join European community, European markets. And Europe needs to be much more brave to use this instrument in order to have peace and prosperity in much larger areas. So that is what I would like to see as really as Europe in the future. I will have just one question before getting forward. Now that you're a member of the European Commission Union, what's the perspective you give to the Lithuanian people? You said it was the perspective to keep together. What's the new perspective? What's the new frontier? New frontier, I said. We became better than Estonians, now we want to be better than Sweden, for example. But it's a joke, but more seriously, for example, we are very happy to join euro from beginning of next year. Because again, it will bring us much stronger feelings that we are all together. We are much more safe, both from economical point of view and from geopolitical point of view. And for us, with our history, you know, when we, for the last several hundred years, we were suffering because of militaries going from the east or from the west, mainly from the east through our territory. For us, being members of EU and NATO, this is really some kind of historical miracle. And that is why we are really looking forward how to strengthen Europe, how to be more united in Europe, how not to allow Europe to make big mistakes, and how to have really prosperity and stability not ending on the borders of Lithuania and our eastern neighbor Belarus and Russia itself. Because this border is only 30 kilometers from our capital city, Vilnius. So our goal is very simple, really, to live very normal, very stable, sometimes very boring, but European life in our country. Alors, merci, Monsieur Kubilius, d'avoir cité ces trois chiffres dont on dit que Madame Merkel aime bien les mettre côte à côte. Et donc, je voudrais passer la parole à Yves Bertoncini, justement. Est-ce que ça, quand on dit, c'est une manière un peu provocative de dire 7% de la population mondiale, 20 ou 25%, ça dépend des chiffres de la production mondiale, et 50% des transferts sociaux, ça veut dire, derrière cet affichage simplement de ces trois chiffres, ça induit qu'il y aurait peut-être quelque chose à changer dans le modèle social européen. Autrement dit, on se dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Ou pas. Merci de cette question. C'est d'ailleurs... Vous l'avez prévu pour plus tard, mais comme ça a été abordé... Trois chiffres que notre président d'honneur, Pascal Lamy, a beaucoup contribué à rendre publics. Parce qu'il a beaucoup voyagé quand il était directeur général de l'Organisation mondiale du commerce. Et qu'il en est revenu de ses voyages avec le constat qu'il y avait en effet un modèle européen de développement qui illustre en partie ces trois chiffres. Et ça doit d'ailleurs nous conduire à certains constats bruts s'agissant de la croissance et de la compétitivité de l'Europe. Quel est donc ce modèle ? Ce modèle, c'est un modèle qui essaie de concilier l'efficacité économique, le souci de la cohésion sociale. Ça, c'est deux des trois chiffres qu'on vient de citer. Mais aussi, là, il n'y a pas de chiffres, mais un haut souci de protection de l'environnement. Protection de l'environnement, ça, c'est le troisième élément du modèle. Le tout dans un cadre pluraliste. Pluraliste, démocratique, mais en plus, uni dans la diversité, 28 pays. On ne trouve pas ces quatre éléments aux États-Unis,
on ne trouve pas ces quatre éléments en Chine, au Japon. C'est un modèle unique. C'est un modèle qui est plutôt envié, en réalité. Envié. C'est juste en face, là, hein, c'est à 14 km. Il y a beaucoup de régions du monde qui regardent ce modèle de manière positive. Et donc, faut-il le changer ? Non, pas forcément. En revanche, il faut qu'il soit viable, ce modèle. Il faut qu'il puisse continuer à fonctionner. Et il est vrai que pour qu'il continue à fonctionner, il faut un certain niveau minimal de croissance qui est d'autant plus difficile à trouver que l'autre caractéristique de l'Union européenne, du continent européen, c'est que c'est un continent qui vieillit et c'est un continent à la démographie déclinante. Donc je dirais que si on regarde ce modèle et que on se situe... Mais la population croît quand même encore plus vite que la croissance. Voilà. Mais d'où l'intérêt d'avoir un niveau de croissance suffisant, mais encore une fois avec des objectifs raisonnables. Parce que si on regarde ce modèle les arbitrages, les équilibres qu'il essaye de retrouver, nos objectifs en termes de croissance et de compétitivité, je dirais que la situation est désespérée pour l'Europe, mais pas grave. C'est-à-dire qu'effectivement, nous n'aurons jamais en Europe, nous n'aurons pas 7% de croissance. Nous n'aurons pas ça, non. Ni même 5, sans doute moins. Alors, il y a quelques pays d'Europe qui sont représentés à cette table, qui sont en rattrapage. Les pays d'Europe centrale et orientale, qui, eux, peuvent avoir un surcroît de croissance. Mais pour les autres, il y aura toujours des taux de croissance inférieurs à ce qu'on trouve aux États-Unis, à ce qu'on trouve en Chine, mais c'est le prix à payer pour ce modèle. Simplement, pour terminer, il faut effectivement qu'il y ait quand même un minimum de croissance, 2,5, 3, pour que ce modèle soit viable à long terme. On en revient toujours là, et donc à la question qui est la question centrale, c'est quand même comment retrouver ce niveau minimum de croissance. Jacques Barrot, puisqu'on est sur le social, c'est quand même une des passions de votre vie, c'est, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire pour sortir de ce qui apparaît comme une impasse quand même aujourd'hui, c'est-à-dire on n'a pas la croissance suffisante pour conserver notre modèle si envié, comme disait Bertoncini. Qu'est-ce qu'il faut faire, vous qui êtes le sage aujourd'hui dans ce panel? D'abord, merci à Amadeus d'avoir appuyé sur le... Voilà. Ah, voilà. Merci à Amadeus d'avoir ciblé l'Union européenne. Merci. Je suis de ceux qui pensent que l'avenir de l'Union européenne passe par l'Afrique, par le continent africain, et donc je m'en réjouis. Je dois dire que j'ai négocié l'Open Sky avec le Maroc au nom de l'Union européenne, et je n'oublie pas non plus le souvenir de Marrakech, où, étant chargé des transports, j'ai réuni le ministre israélien des transports et le ministre palestinien, et c'était avant le Hamas, je dois dire, et nous avons pu, peu à peu, au bout de 2 heures de travail, de coopérer et d'obtenir une coopération bénéfique pour l'ensemble israélo-palestinien. Voilà. Alors, ceci étant dit, je suis interrogé sur le modèle social. Alors, je crois qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de remises en ordre qui s'imposent. Et il est bien certain que le modèle social doit connaître une certaine évolution. Je pense notamment aux Danois, qui ont réussi à faire la flexi-sécurité et qui, de ce fait, devraient être imités par les autres États membres. Je pense aussi que nous souffrons beaucoup d'abus de toutes sortes. Et la Cour de justice vient utilement rappeler que on ne pouvait pas bénéficier des aides sociales dans la mesure où on ne cherchait pas du travail. Alors, c'est vrai que le modèle social doit être quand même normalement un peu aménagé pour essayer de viser à l'efficacité. Deuxièmement, c'est vrai, ce que dit Yves Bertoncini, c'est vrai que nous avons besoin de croissance. Alors, sur la croissance, c'est un pays, l'Europe est un pays un peu vieillissant, et nous allons perdre 75 millions d'habitants d'ici 2050 si
Il n'y a pas d'immigration. Heureusement, l'immigration est là. Et c'est vrai qu'il faut mettre l'accent sur l'intégration, comme l'a dit le président Zapatero, sur l'intégration fiscale, sociale, beaucoup plus forte. C'est vrai aussi que nous devons mettre le cap sur l'innovation. La recherche et le développement ont été très en retard sur les objectifs de Lisbonne. Et manifestement, le budget européen, qui ne représente que 1% du PIB, eh bien, n'est pas à la mesure du problème, des problèmes que rencontre l'Europe. Et notamment pour investir en Afrique, dans ce continent où il y aurait des possibilités tout à fait remarquables en raison du potentiel économique de l'Afrique. Voilà un peu ce que je peux dire, mais c'est vrai que actuellement la Chine fabrique autant d'ingénieurs que les États-Unis, l'Allemagne et la France réunies. Ah, j'espère que la Lituanie et l'Espagne apporteront le nombre d'ingénieurs nécessaires. Cela étant, c'est vrai que la Chine est en train de prendre une place beaucoup plus grande. Voilà ce que je peux dire sur le potentiel existant de l'Europe et de l'Euro-Afrique. Car c'est ça qui, à mon avis, permettra la liaison euro-africaine de réussir. Monsieur Zapatero, vous vouliez dire quelque chose avant que je continue le tour du panel. Allez-y. Muy brevemente al hilo de lo que ha dicho Jacques Barrot sobre el tema de los ingenieros. Es verdad que hasta hace poco tiempo la producción de ingenieros era uno de los elementos determinantes que apuntaba las características de los países que iban a tener progreso tecnológico, competitividad. Pero yo debería de añadir que en este momento, tanto como ingenieros, necesitamos matemáticos. Y aquellos países que vayan a tener los mejores matemáticos, especialmente expertos en logaritmos, van a marcar la diferencia, van a marcar la diferencia. Hoy lo que están buscando fundamentalmente las empresas tecnológicas más avanzadas, las que están marcando el ritmo de los cambios, de los acontecimientos, de la productividad, que todo va a través de la red y que es tan, tan rápida, es el espectro de los matemáticos. Y Europa tiene un gran caudal sobre esto. Il faut plutôt les former, ce qui va prendre quand même un petit peu de temps, ou aller les chercher dans l'immigration? Sí, no, pero que quiero decir que Europa lo tiene. Europa tiene un gran caudal, y en concreto España, de matemáticos, y por supuesto que hasta hace poco teníamos y tenemos muy buenos ingenieros. Quiero decir que los cambios son tan rápidos, los cambios son tan rápidos, que debemos de tener algo muy claro, y es que Europa solo podrá ser la que queremos, la que ha sido, quien lidera la economía mundial, la cohesión social, si actúa una integración mucho más intensa. Si Europa produce el 20%, siendo el 9% de la población. Si Europa tiene el 50% del gasto social del mundo, es porque ha vivido democracia, porque es el continente con más países democráticos durante más tiempo en la historia y porque ha hecho el proyecto de la Unión Europea. Esta es la clave. Y porque además ha sido referente en derechos humanos, en paz, en libertades. Por eso es ha sido lo que es Europa. Y ahora tenemos que saber que la unidad y la integración es fundamental. Me alegro mucho ver al primer ministro de Lituania. Hemos celebrado los 25 años de la caída del muro de Berlín estos días, la semana pasada,
ha sido una gran experiencia, una revolución pacífica que dio esperanza, progreso a los países del centro y del este de Europa, que como hemos oído están en una gran mejoría económica, igual que España cambió radicalmente con la libertad, la democracia y luego con Europa. En los últimos 40 años, España es el cuarto país que más ha incrementado la renta per cápita de la OCDE. Y además, nosotros hemos tenido la suerte de que no tenemos un vecino como Rusia. Nosotros hemos tenido la suerte de tener un vecino como Marruecos, con el que es mucho más fácil todo. Anne-Marie Lizin, je vous passe la parole pour, au fond, la même question aussi. M. Zapatero nous a dit, au fond, l'Europe a été prise par surprise par cette crise. Et ça a révélé, au fond, ses défauts originels. Bon, voilà. Quels sont, de votre point de vue, les problèmes qui sont à régler, qui sont encore devant nous et est-ce qu'on a les moyens de le faire, sachant que c'est très joli, renforcer l'Union européenne, etc. Encore faut-il qu'il y ait volonté d'aller de l'avant ensemble. Merci. Voilà. Et merci aussi à Amadeus et à vous tous pour écouter ce débat. C'est vrai que pour nous, le Maroc est certainement un des interlocuteurs qui est important dans la perspective de développement. Mais pour vous expliquer d'où vient mon intérêt pour l'Europe, j'ai été secrétaire d'État aux affaires européennes de la Belgique pendant 4 ans. Et à la fin des 4 ans, nous avons signé le traité de Maastricht en 92. Et donc, il faut rendre la justice à Jacques Delors et à l'équipe qui, à ce moment-là, arbitrait la Commission européenne entre France et Allemagne, puisqu'à Maastricht, on avait sorti, en quelque sorte, déjà la Grande-Bretagne de l'accord. On a réussi à ce que cette monnaie unique soit installée dans le traité en 92 pour être appliquée 10 ans plus tard. Et cette monnaie unique est la clé, en fait, de ce qu'est vraiment l'Europe, et de la méfiance des Anglais, bien sûr. Alors, en 5 points, je voudrais vous dire qu'est-ce qui me paraît aujourd'hui essentiel pour l'avenir de l'Europe et donc aussi la continuation du développement et de la croissance des pays voisins, parce que je pense que ça fait vraiment partie de l'enjeu. Tout d'abord, pour moi en tout cas, mais c'est vrai que tout le monde ne peut pas le partager, je crois qu'en fait, la croissance maintenant est complètement dissociée de la création d'emplois. Nous avons eu des programmes de croissance dans différentes parties de la Belgique qui ont abouti pour plusieurs milliards en dépenses à la création de 10 emplois. Ça, c'est à peu près la norme. Ce qui veut dire que cette relation-là n'existe plus. Et donc, pour les jeunes, il y a une sorte de méfiance profonde par rapport à ce que peut donner, quelle est la perspective qu'ils peuvent avoir s'ils ne sont pas des ingénieurs. Nous formons tous nos jeunes. Nous ne formons pas que nos jeunes ingénieurs ou mathématiciens. Notre objectif, c'est évidemment de former toute la population jeune. Et nous n'avons pas encore retrouvé un véritable projet pour l'Europe. Il faut réenthousiasmer aussi toute cette jeunesse par rapport à ce qu'on est en train de faire. Si vous regardez, disons, la carte de cette Europe et de ce territoire, deuxième chose importante, vous avez un territoire qui, évidemment, comprend la Russie et vous porte jusqu'à la Chine, sans interruption. Ça va vous paraître peut-être futuriste, mais il faut alors écouter ce que font les Chinois. Les Chinois exposent, partout où vous les invitez, qu'ils sont en train de faire un très grand programme d'investissement sur la route de la soie. Oh, vous vous dites, c'est un peu exotique, c'est Scheherazade. Pas du tout. La route de la soie, elle va jusqu'à Birmingham. Elle va tout au bout dans leur tête. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils l'ont présenté un jour devant un public russe. J'avais le plaisir de participer. Et ils ont dit aux Russes, mais vous savez, nous, ce qui nous intéresse, c'est l'Europe de l'Ouest. Parce que
je suis d'accord avec ce que vous avez dit. L'Europe de l'Ouest aura des niveaux médiocres pendant encore beaucoup d'années du taux de croissance. Mais c'est un taux de croissance par rapport à un niveau économique de bien-être et de vie, de dépenses tellement élevé qu'elle intéresse la Chine. Et que, bien entendu, c'est là que nous allons trouver le véritable partenaire territorial. Nous ne pouvons pas nous passer à long terme de la Russie. Sinon, nous jouons dans un jeu qui n'est plus un jeu dans l'intérêt de l'Europe, mais séparer l'Europe de la Russie ou créer, disons, des frontières qui soient insurmontables pour des raisons politiques, ce sera une erreur économique profonde de l'Europe. Tout comme ce serait une erreur de ne pas s'intéresser au développement africain. Et donc, vous avez vraiment, dans cette démarche aujourd'hui, la possibilité d'avancer sur plusieurs années positivement. Encore faut-il en déduire un comportement par rapport aux investissements, un grand programme d'investissement. L'Europe dit nous allons le faire et je pense qu'ils vont essayer de le faire. Mais celui qui va nous aider, ce sera celui qui viendra de la décision chinoise et ce qui, quand même, on l'espère, continuera d'être une véritable pression. C'est que par rapport à la crise de 2008, il faut rappeler que si on parle de tellement de cette crise, c'est une crise bancaire. Quand on revient au traité de Maastricht, on crée l'euro. On allait l'appliquer 10 ans plus tard. Mais cet euro, dès le départ, donc dès 92, Jacques Delors, Mitterrand, tout le monde savait que s'il n'y avait pas harmonisation fiscale et s'il n'y avait pas surtout harmonisation des politiques budgétaires, il n'y aurait pas de stabilité de cette monnaie, mais c'était tout de même mieux. On doit rappeler quelque chose. La Belgique, par exemple, avait décidé que si l'euro ne se faisait pas à Maastricht, eh bien, nous allions passer aux marques allemandes. Tellement notre économie, petite, mais quand même assez, eh bien, le gouvernement belge auquel j'appartenais avait décidé ça. Parce que c'était la seule perspective pour éviter les dévaluations qui étaient catastrophiques pour les économies d'Europe. Donc, il faut rappeler ça à la Lituanie. Il faut rappeler que là aussi à la Lituanie que si ça marche tellement bien, c'est aussi parce qu'il y a la solidarité des politiques des autres et des vieux Européens qui sont bien d'accord de le faire. Mais tout de même, ça fait partie des enjeux. Donc, je pense à un moment donné que cette situation que M. Delors avait très bien vue n'a surpris personne. Par contre, les banques avaient développé, à partir de 2000 et à partir de la création de l'euro, un tel comportement abusif qu'il y a eu vraiment ce besoin de remise à plat qui a été catastrophique pour beaucoup de classes moyennes en Europe. Et le problème est, ce n'est pas terminé. Ils ont recommencé à créer des produits financiers qui sont basés sur de la fumée. Exemple, tout ce qui est, pour le moment, emprunt pour les achats de voitures, nous ne parlons plus de l'immobilier de Lehman Brothers, nous parlons d'achats de voitures, fait aujourd'hui l'objet à nouveau de produits financiers qui sont proposés dans le système bancaire. Donc, on n'a pas terminé la réforme bancaire en Europe. Si on veut éviter un deuxième drame comme 2008, il est important de continuer ce contrôle des banques et de continuer aussi à ce que c'est, je dirais, le fait que, non pas les banques, mais parce qu'on dépersonnalise, mais les banquiers gagnent tellement d'argent aujourd'hui sur les populations d'Europe que ces abus-là provoquent de véritables sentiments d'injustice quand on voit à côté de ça qu'on diminue les allocations de chômage, qu'on diminue toute une série de règles de vie des gens. Et donc, il n'y aura pas de continuité vers la diminution des budgets sociaux s'il n'y a pas en même temps changement plus profond du comportement des banques en Europe. Et cela, c'est... Madame Lagarde disait dans un dîner à Paris il y a une semaine quelque chose d'intéressant. Elle disait, les fonctions bancaires ont repris leur travail et avec un peu de chance, ça peut bien se passer. Alors, tout est dans le « avec un peu de chance ». Il y a beaucoup de choses dans ce que vous venez de dire, Anne-Marie Lizin. J'oublie pas que je dois aussi passer la parole à Peter Balinche, mais compte tenu de l'interpellation directe que vous avez faite
à notre ami Monsieur Kubilius, je voudrais que vous réagissiez parce que bon, c'est pas le thème directement du panel de cet après-midi. On va avoir demain une discussion sur les relations entre l'Occident et la Russie, mais c'est vrai aussi que beaucoup de gens expliquent par exemple la baisse de la croissance allemande de ce dernier trimestre par le contre-coup des sanctions contre la Russie. Donc ça fait partie aussi de notre discussion quelque part. Qu'est-ce que vous répondez à Madame Lizin quand elle vous dit ça ne se fera pas sans la Russie et les sanctions, je ne sais plus le mot que vous avez employé, elles sont, vous n'avez pas dit stupides, mais enfin, c'était non, ça l'idée. Je vous ai dit en privé que je pensais que c'était anti-intérêt européen. Voilà. On peut même être plus précis. Hein. Je crois par exemple que la France devrait livrer les frégates. Ah oui. Ah oui, absolument. Ah oui. Et donc, je pense qu'il faut respecter les contrats commerciaux. Monsieur Kubilius. Well, this is a topic which we can discuss, you know, till tomorrow morning. If France will deliver military ships to Russia, so then we shall ask France to deliver military fighters to Lithuania to defend us against those ships. Because Russia just now is behaving in a very aggressive way, and nobody knows what they will do next. So we suffer it because of, in the history, because of Russian aggression for several hundred years. We were occupied, part of Russian Empire, and so on and so on. But we are the most, we have the strongest interest to have best relations with Russia. But it will depend if Russia will succeed to become a democracy, a peaceful country, which would avoid to behave in aggressive way with their neighbors. That is what we need to achieve. And Europe can assist Russia to become a normal European country. But that demands from Europe to behave in a very precise and strong way. The policy to appease Russia does not work. It creates for Russian authorities some kind of very false hopes that you can behave in an aggressive way with your neighbors and nobody will punish you. Then the question is, who is next? If Ukraine will fail, so we are feeling ourselves that we shall be next and Russia will be equipped with Mistral military ships which were produced in France. That is what we are nervous, and we are nervous really, because this is what can happen. So, yes, of course, Europe has big challenge how to have peace with Russia. In the history, Europe had several tectonic challenges. One was how to keep Germany in a peaceful way in Europe, and creation of European Union was a very good instrument to have peace in that part of Europe. But here was also tectonic or permanent threats how to have normal relationship with Russia. And this is still not resolved. And the only way how to resolve that issue, which still is here, and which creates a lot of problems not only for us as neighboring countries, but for the whole Europe, is to assist Ukraine now. Because Russia without Ukraine will become, I totally agree with Zbigniew Brzezinski, Russia without Ukraine in the future will become a normal European country. If Russia would be allowed to come back to Ukraine through military aggression or through political domination, and if Russia will have possibility again to dominate in Ukraine, we shall have the same old-style Russia, which will not behave in a normal European way. Merci. Je pense que M. Balázs ne m'en voudra pas. J'ai encore une question de curiosité à poser à M. Zapatero. Imaginez que vous vous retrouviez demain Premier ministre d'un pays européen en situation d'avoir signé un contrat avec la Russie et qui doit livrer des bâtiments de guerre. Est-ce que dans la situation actuelle, est-ce que vous livreriez ces bateaux? La ventaja que tengo es que en estos momentos no soy presidente de gobierno, ¿no? Pero creo sinceramente que Rusia es
uno de los grandes problemas que en estos momentos tiene la Unión Europea. Yo creo que todavía no hemos agotado lo suficiente la vía político y diplomática y que, desde luego, no soy partidario, lógicamente, de un rearme y de facilitar el rearme de Rusia. Eso, por supuesto, ¿no? Pero tampoco quiero inmiscuirme en lo que es la política francesa, y viendo aquí a alguno de sus representantes más conspicuos, ¿no? Donc vous livreriez ces bateaux aujourd'hui? Perdón. Vous livreriez ces bateaux aujourd'hui? ¿Si vendería los barcos? No, repito, no puedo hacer un pronunciamiento fijo, seguro, ¿no? Aunque así la inclinación natural es que si hay una política europea de concertación y con unas sanciones hay que cumplirla. Alors, enfin, Monsieur Balázs, vous avez été ministre des Affaires étrangères de Hongrie. C'est intéressant, la Hongrie, parce que l'un des sujets qu'on n'a pas encore abordé pour l'instant, c'est un sujet politique, Monsieur Zapatero en a un peu parlé, c'est ce risque, au fond, de populisme qui est présent dans beaucoup de pays européens, peut-être pas tellement l'Espagne, d'ailleurs, pour une raison qui serait peut-être trop longue à expliquer, mais dans beaucoup de pays, cette montée des extrêmes et des populismes. Chez vous, en Hongrie, vous avez un pouvoir qui a traversé une crise économique importante et qui a mis au pouvoir un Premier ministre, M. Viktor Orban, dont on peut dire qu'il est que ce qu'il anime, c'est une verve un peu populiste. Donc vous êtes particulièrement bien placé peut-être pour nous dire le danger qui est devant d'autres pays européens si on ne règle pas rapidement ce problème de croissance, de cohésion sociale, de compétitivité, n'est-ce pas ? C'est un peu ça qu'a vécu la Hongrie, parce qu'au départ, c'est un pays comme la Lituanie, récemment entré dans l'Union européenne et qui aurait dû plutôt voir l'Union européenne comme la solution plutôt que le problème. Bon, écoutez, jusqu'au moment de l'adhésion, les candidats font beaucoup d'efforts, essayent de satisfaire toutes les demandes de l'Union européenne, et puis il y a l'adhésion, et à partir de l'adhésion, l'Union base sa discipline sur l'adhésion volontaire de nouveaux États membres. Il y avait des vagues de populisme dans plusieurs nouveaux États membres. Il y avait un certain temps en Slovaquie, puis en Pologne. Ça vient et ça passe. Mais on aurait besoin d'une surveillance et des sanctions nettement plus sérieuses du côté de l'Europe. Pendant les dernières élections du Parlement européen, on a vu la montée de l'extrême droite et en partie de l'extrême gauche dans d'autres pays. Et heureusement, ils n'ont pas pu former une famille puissante à l'intérieur du Parlement européen, mais ils sont déjà là. Quand on regarde la balance des institutions européennes, on compte vraiment sur les autres institutions aussi. Donc, nous avons un Parlement rafraîchi, nouveau, qui a commencé son travail. Nous avons une nouvelle commission sous la baguette de M. Juncker, qui a génialement trouvé des solutions pour la réduction des portefeuilles, sans réduire le nombre de commissaires, en y ajoutant un niveau de vice-président. Aujourd'hui, nous avons 20 portefeuilles avec les 28 commissaires. C'est une bonne solution. Nous avons un certain regroupement des responsabilités au sein de la commission. Donc, on attend beaucoup de cette nouvelle commission. Derrière la commission et le nouveau Parlement, nous avons un nouveau budget. N'oublions pas qu'à partir du 1er janvier, on a un budget pour les 7 ans qui viennent, qui veut dire en même temps que la commission actuelle... n'est pas assez important, a dit Jacques Barrot. Oui, et le Parlement actuel ne lanceront pas d'autres budgets parce qu'ils vont arriver à la fin de leur mandat avant l'échéance du budget actuel. C'est une situation tout à fait exceptionnelle. Je veux dire que ce serait un moment pour aborder certains problèmes au sein de l'institution la plus puissante, qui est le Conseil. Nous avons un conseil démodé,
avec beaucoup de participants, avec les représentants des 28 pays, il y avait un moment quand nous avons changé de dimension parce que maintenant nous avons plus d'acteurs que secteurs. C'était un changement très important, peut-être invisible, mais nous avons 18 secteurs intégrés et nous avons 28 participants. Donc c'est un peu, j'y étais en plusieurs fonctions, c'est un peu comme un vieux ménage qui est l'otage de ses habitudes. Nous avons beaucoup trop de sessions, nous avons beaucoup trop de discussions sur les mêmes sujets. On se déplace pendant 3 mois de l'année à Luxembourg, je me demande pourquoi. Et il y a beaucoup de choses qui pourraient être changées au sein de l'Union européenne si on avait le courage. Mon ami Jacques Barrot avait le courage, quand il était commissaire pour le transport, de faire un changement et de sortir d'une trentaine de projets prioritaires, 5, et en invitant des coordonnateurs pour lancer l'opération. On aurait besoin d'une masse critique d'États membres, y compris l'Allemagne et la France, comme toujours, pour trouver des solutions et pour aller au-delà des problèmes. L'eurozone est très importante, la compétitivité est très importante, mais le grand mécanisme de l'Union. Bon, on comprend qu'on n'a pas forcément les institutions que mériterait l'Europe, mais néanmoins, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que 2 acteurs centraux, même 3 si on inclut le Royaume-Uni, la France et l'Allemagne, divergent, même si leurs dirigeants diront souvent le contraire, mais divergent sur la question du pacte de stabilité, que bien peu de pays, Yves Bertoncini le rappelait dans un article récent, que bien peu de pays européens d'ailleurs ont respecté et respecté longtemps depuis qu'il a été instauré. Mais est-ce que c'est pas ça justement le débat fondamental et essentiel sur lequel, qui bloque aujourd'hui le retour à la croissance? Ce pacte de stabilité qui a été ces fameux 3% qui ont été établis à un moment où on espérait une croissance disons environ de 3%. On a à peine 1% aujourd'hui. Bon, il y a 2 écoles. Il y a l'Allemagne qui demande la discipline et il y a plutôt le sud de l'Union européenne qui demanderait plus de stimulation, plus d'investissement pour lancer la croissance. Notre devise depuis le traité constitutionnel qui est devenu traité de Lisbonne est unité dans la diversité. Donc je me demande s'il devrait tomber d'accord dans toutes les questions, si on ne peut pas tolérer une certaine diversité en acceptant une certaine discipline à l'allemande et puis une stimulation de l'économie qui est fortement demandée dans plusieurs États membres. N'oublions pas qu'il y a une 3e section de l'Union européenne à part l'Allemagne et les pays du Sud, ce sont des pays qui ne sont pas membres de l'eurozone, y compris Royaume-Uni, Suède, Danemark, Pologne et d'autres pays importants. Donc il faudrait tomber d'accord sur un dénominateur commun et pour ne pas approfondir ces discussions, parce que ça n'aboutit pas à la croissance. Ce serait trop technique d'aller plus loin. Non, mais Yves Bertoncini, juste une question, puisque vous disiez dans un article que j'avais lu récemment, parce que Romano Prodi a eu une formule fameuse, il a dit, c'est pas le pacte de stabilité, c'est le pacte de stupidité. Et vous avez, vous, répondu, le pacte n'est ni stupide ni stable. Alors, qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Romano Prodi avait dit le pacte de stabilité est stupide, et mon président, Antonio Vitorino, qui à l'époque était membre de la commission Prodi, avait répondu « Non, ce n'est pas que le pacte de stabilité est stupide, c'est le pacte de stupidité qui est stable. » Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça veut dire que ce pacte de stabilité, il a été défini avec des objectifs 3%, qui, si on les regarde du point de vue économique, sont à la fois légitimes et tout à fait inopérants globalement, mais c'est pas le sujet en réalité. C'est un pacte politique. C'est comme un contrat de mariage. C'est pas de l'économie, c'est de la politique. C'est un contrat de mariage. Et de ce point de vue-là, la crise qu'a connue l'Europe est à la fois ce qui a été rappelé d'abord une crise bancaire et financière, mais c'est au-delà une crise des finances publiques et même au-delà une crise de confiance.
Quand on est passé à l'euro, on a conclu un contrat de mariage. L'euro, c'était aussi de la géopolitique. C'est une façon, une fois que le rapport de l'or a été mis sur la table, une fois que le mur de Berlin chute, on vient de commémorer les 25 ans de la chute du mur de Berlin, c'est une façon d'ancrer l'Allemagne dans l'intégration européenne. Donc on l'a fait avec ce sacrifice de l'Allemagne aux conditions allemandes, avec un contrat de mariage spécifique. Alors le contrat de mariage, ce qu'il faut quand même dire, c'est que si on se situe du point de vue allemand, il a déjà été beaucoup renégocié de facto. Parce que d'une part, vous l'avez dit, le pacte de stabilité, les 3%, c'est quelque chose qui n'a pas été très bien respecté, notamment par des pays comme la France. Il y a des flexibilités qui sont prévues, mais enfin, on va dire que la France a beaucoup abusé de ses flexibilités et elle est encore en train d'essayer d'en abuser un tout petit peu. Si ça lui profitait, en plus, dans ses résultats en termes de croissance et de compétitivité, ça pourrait valoir la peine. Mais c'est même pas le cas. Donc, en revanche, ça pose un problème en termes de respect du contrat de confiance. Deuxième élément du contrat de mariage, la Banque Centrale Européenne, qui a un mandat certes restrictif, c'est pas le mandat de la Fed, mais qui devait développer une politique assez traditionnelle. Ce n'a pas du tout été le cas dans les dernières années. Elle a eu une politique très activiste. Ça va très bien aux Français, ça va un peu moins bien aux Allemands. Troisième élément du contrat de mariage qui a été complètement revu sous la pression de la crise, le fameux no bail-out. Ce que disait le traité de Maastricht, c'est que donc les pays vont garder beaucoup de liberté du point de vue budgétaire, avec cette limite des 3%, et que ce qui devait les inciter à faire attention, c'est que si jamais ils faisaient faillite, l'Union européenne ne viendrait pas les sauver. No bail-out. Qu'est-ce qu'on a fait? On les a sauvés, puisqu'il y a eu un mécanisme européen de stabilité qui a permis de sauver l'Irlande, la Grèce, le Portugal et Chypre, et puis aussi l'Espagne pour la partie bancaire. Je veux dire par là que même si toutes ces règles n'étaient pas parfaites, elles ont été, peut-être parce qu'elles n'étaient pas parfaites d'ailleurs, revues de facto, et que si on se situe du point de vue des Allemands aujourd'hui, on peut constater que par rapport à ce qui avait été convenu il y a 25 ans, ils ont fait beaucoup d'efforts, à la fois financiers, mais aussi psychologiques et conceptuels, pour accepter ce mouvement. Alors évidemment, il faudrait encore beaucoup plus d'efforts que les Français, par exemple. De point de vue conceptuel, clairement, et du point de vue financier d'ailleurs aussi, également. Et donc évidemment qu'il faudrait encore aller un peu plus loin. Il faut qu'effectivement on applique cette rigueur, une forme de rigueur, le retour vers les 3%, mais qu'en compensation, il y ait au niveau européen une impulsion en termes d'investissement. Ça, c'est le fameux plan Juncker, 300 milliards d'euros, dont on attend de connaître le contenu. L'Europe, ça ne doit pas être seulement des disciplines en matière budgétaire. L'Europe n'est pas qu'un arbitre. Mais des réformes. Il y a des réformes, effectivement. Jacques Barrot, justement, faites attention à ce que vous allez dire, parce que vous êtes le Français, on dit toujours que les Français sont laxistes. Hein. Est-ce que, au fond... Non, mais c'est un triangle. Alors, il y a d'un côté la discipline... D'autre côté, la solidarité, on peut dire que les Français devraient faire un peu plus de discipline et les Allemands devraient faire un peu plus de solidarité. Mais tout ça repose sur la croissance. Et ça, c'est fondamental. Nous avons besoin de croissance par tous les moyens. Nous avons aujourd'hui perdu 3 500 000 d'emplois industriels. Et nous orientons vers une croissance après 2013 de 1,1%. Vous parlez de la France, là. Et nous allons passer à 1,5% oui, difficilement si tout pour va la bien. Zone euro. Ah, pour la zone euro, d'accord. Anne-Marie Lizin. Simplement ajouter à ce qu'a dit notre interlocuteur sur ces 3% et la décision qui a été prise en fait en 92, donc en 92, ce qui veut dire à peu près au moment où l'Allemagne faisait l'effort maximum pour prendre un mark, entre le mark de la RFA et le mark de la RDA, pour les traiter à égalité. Donc ça a coûté énormément à l'Allemagne. En même temps,
On a imposé, et ce n'était pas excessif de demander que les déficits ne dépassent jamais 3%, et qu'on respecte ce chiffre. Je crois vraiment que c'est un des fondements de ce qui fait encore aujourd'hui le système des finances publiques. Mais le véritable problème est apparu dans le doute sur la monnaie, en plus des actions de sabotage, quelque part, qui viennent en fait de ceux qui ne sont pas dans l'euro et qui sont à l'intérieur de l'Union européenne, à savoir spécialement de la place de Londres. Mais objectivement, c'est le système privé bancaire qui a créé le doute. Et donc, on aurait tort de penser uniquement en termes de discipline budgétaire publique, mais je pense qu'il faut l'appliquer. Et donc, le pacte de stabilité est venu renforcer, en fait, une condition qui était déjà en 92 dans les textes et qui avait été effectivement demandée par l'Allemagne. Mais je suis d'accord avec l'idée qu'on a tellement demandé à l'Allemagne qu'aujourd'hui, notamment à cause de l'impact des sanctions russes, des sanctions à l'égard de la Russie, on se retrouve avec une Allemagne qui participera moins qu'avant au développement du reste de l'Europe territoriale. Alors, et on aura toujours l'Angleterre qui continuera, et la place de Londres en particulier, qui continuera à présenter une sorte de compétition et de concurrence malsaine dans l'Union européenne. Alors, l'union bancaire, elle existe, oui ou non ? Alors, Monsieur Zapatero, on oppose souvent, quelqu'un a dit, les pays du Nord, les pays du Sud, les pays du Nord seraient obligatoirement ceux qui prêcheraient la discipline et les pays du Sud seraient réputés comme ceux qui chercheraient continuellement à s'extraire de cette discipline commune. Mais dans votre pays, en Espagne, il y a eu des efforts qui ont été faits, très importants. Il y a eu une véritable politique d'austérité, même beaucoup plus qu'en France d'ailleurs, et qui, d'une certaine manière, semble porter ses fruits. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette opposition entre les pays du Nord et les pays du Sud ? Et qu'est-ce que vous pensez de... Quelle est votre position sur le respect du pacte de stabilité ? C'est bastante évidente qu'il y a une tension no entre los países del norte y los países del sur, coincide geográficamente. La tensión es entre países acreedores y países deudores. Es decir, el problema de fondo es que Alemania tiene 42 millones de ahorradores y que el ahorro alemán ha financiado lo que fue el crecimiento de países como España. Prácticamente todo el ahorro invertido alemán en la etapa de los años 2000, de la primera década del siglo, se invirtió en España y es lo que permitió a España financiar infraestructuras, casas y a las empresas a través de los bancos. Entonces, claro, tenemos una tensión lógica. El ahorrador no quiere que su moneda pierda dinero y el deudor quiere que la moneda pierda valor para que la deuda sea menor. Es así de sencillo. Es decir, no creo que haya buenos o malos. Y que el norte sea riguroso y el sur no riguroso. Esto es una lectura moral completamente falsa y políticamente inútil y negativa. Dos, oferta o demanda, austeridad o reformas. Creo que está mal planteado el término. Nos estamos siempre ahogando en esa dicotomía. El problema no es ni de oferta ni de demanda. El problema para Europa es de unidad, de unión, de integración. Las políticas de oferta por sí mismos no van a conseguir con la debilidad que hay de la demanda y la demanda no puede existir porque estamos en un proceso de deflación y estamos en un proceso de bajada de capacidad de salarios. Pero si no entendemos el problema de fondo, de por qué digo unidad y por qué digo que no es oferta y demanda, seguramente no, Europa no vamos a dar con la respuesta. Y el problema de fondo no es como tal europeo. Este que es un foro global conviene que pongamos esas luces largas y nos demos cuenta de un hecho determinante. Estas gafas están producidas en China, están fabricadas en China. Por una empresa española
que pone el talento, pone el diseño y se producen en China. Esta es la cuestión. La cuestión es que desde hace 25 años un bloque de países emergentes y en desarrollo compiten en los mercados que se han ido abierto, tienen cada vez más capital y como compiten a costes menores han hecho que buena parte de los países occidentales tengan una gran dificultad para mantener un crecimiento económico y una capacidad de crecimiento económico que les garantice sus niveles de bienestar social. Este es el problema, que hay un reequilibrio impresionante de la riqueza en el mundo. Y por cierto, comment les pays qui justement souffrent de cette perte de compétitivité doivent réagir. Donc si je vous comprends bien votre raisonnement, c'est en faisant une politique de soutien à l'offre, c'est-à-dire de soutien à leurs propres entreprises, ce qui a été fait en Espagne aussi. Sí, pero bueno, en fin, no quiero particularizar en España. Prefiero terminar el argumento global. En los últimos 30 años hemos visto que los países desarrollados aportan cada vez menos al PIB mundial y que los países emergentes y en desarrollo, como Marruecos, aportan cada vez más. Hay tres datos que se han producido en los tres últimos años definitivos. Primero, los países, por primera vez en la historia, los países emergentes y en desarrollo aportan más al crecimiento del PIB mundial que los países desarrollados. Segundo, eso ha sido este año último, este segundo dato, por primera vez en la historia, los países emergentes y en desarrollo reciben más inversión extranjera directa que los países desarrollados. Y tercer dato, por primera vez en la historia, China ha superado ya en PIB a Estados Unidos. Es decir, hay un reequilibrio de la riqueza que está produciendo, por cierto, que centenares de millones de personas salgan de la pobreza extrema como nunca en la historia. Y que Occidente tenga un grave problema de competitividad, porque hay otros que antes no estaban, no existían sencillamente. Es que China fue la primera potencia mundial hasta 1850 y ha estado siglo y medio desaparecido. Y ahora lleva 10 años creciendo al 10%. Mais je repose ma question. Que faut-il faire pour soutenir la compétitivité, oublions l'Espagne si ça vous embarrasse, la compétitivité des entreprises européennes? Muy sencillo. Muy sencillo. Muy difícil, pero yo por lo menos creo que el camino es el que antes apuntaba. No vamos a incrementar la productividad, como se está viendo, bajando más los salarios, reduciendo más los costes. Porque ese proceso de acercamiento a los países emergentes, por esa línea, tardaría 15 o 20 años. No vamos a ir por ahí. ¿Podemos hacer más esfuerzo tecnológico? Pues sí, más educación, sí, pero es a largo plazo. La clave es la unión. Es decir, si hacemos una unión energética, que por cierto a los países del centro y del este les vendría muy bien en la negociación con Rusia del gas, si hacemos una unión energética, si conectamos las redes europeas, si hacemos una unión fiscal, los mismos impuestos para el petróleo, para el gas, Europa puede reducir sus costes energéticos en un 20, en un 30%, que es lo que está haciendo Estados Unidos con el gas esquisto y con el fracking. Eso es competitividad. ¿Avec ou sans les gaz de schiste? ¿Perdón? ¿Avec ou sans les gaz de schiste? Je sais pas comment on dit gaz de schiste en español, excusez-moi. Sí, no. Dos, si me permites. Dos, una unión fiscal. Una unión fiscal. Tenemos que hacer un impuesto de sociedades homogéneo o con unos márgenes. No puede ser lo de Luxemburgo o lo de Irlanda. No puede ser. Tiene que haber una homogeneidad fiscal. Tres, tiene que haber una unión bancaria. Porque si nuestros países y nuestras empresas necesitan crédito, solo lo habrá si toda Europa está detrás solidariamente. Y tiene que haber una integración tecnológica. ¿Cuál es el grave problema de Europa? El grave problema de Europa es que si uno coge la lista de las cinco grandes empresas tecnológicas del mundo, las cinco son americanas. Google, Microsoft, Apple.
y son las que están marcando la innovación. Entonces, o hacemos un gran esfuerzo de tener nuestros big players, nuestros gigantes tecnológicos también, porque talento lo tenemos, regulación unificada en el marco digital para permitir una fortaleza europea, o si no, no tendremos, no seremos competitivos. A base de bajar los salarios no vamos a serlo. Y por mucho que invertamos en educación, si somos mejores, tenemos más licenciados universitarios que nadie. No, tenemos que facilitar el crédito, unir la energía y unir el poderío tecnológico que Europa puede aportar. Esa es la clave. Sabiendo que los países emergentes y en desarrollo van a seguir, y fijándonos en África, en países como Marruecos, que tienen un gran potencial, hacer una estrategia comercial propia, propia, que desde luego en el Mediterráneo tiene. Por tanto, no es oferta y demanda. Pacto de estabilidad, cierro. Pacto de estabilidad está bien, pero yo he estado al frente del gobierno en la crisis, y he tenido las dos políticas. La política de expansión del gasto, fuerte, keynesiana pura, y la política de austeridad. Pues no hay reglas fijas sobre los resultados. Depende de las circunstancias y del contexto. Le pragmatisme. Je vais reposer ma question au gaz de schiste. Je vais essayer avec Jacques Barrot, tiens. Parce qu'une des raisons pour lesquelles les Américains ont réduit leur facture énergétique, c'est qu'ils ont développé massivement les gaz de schiste. Or, chez nous, c'est le président Chirac qui a inscrit le principe de précaution dans la Constitution. Oui, Barrot. Il n'a pas fait des merveilles, là. Vraiment. Le principe de précaution, laissons-le de côté. De manière à ce que... Mais c'est peut-être ce qui nous empêche aujourd'hui de nous lancer dans une politique énergétique de ce type. Ben oui, et de rechercher les moyens d'extraire le gaz de schiste de manière plus conforme à l'environnement. Ça, c'est très clair. Et nous avons, hélas, accepté cette situation au Conseil constitutionnel. Je dois dire que j'étais hostile à cette position, mais voilà, le principe de précaution devant être employé, et c'est dommage, c'est bien dommage. Bon, on est bloqué. Mais le débat, il existe en Europe. Monsieur Kubilius, par exemple, chez vous, dans votre pays, est-ce que ce débat existe? Est-ce qu'on se pose cette question? Et quelle réponse on y donne éventuellement? Well, the question is very simple, how to be competitive and not to be dependent on single energy supplies, which we still have from Russia. So that was strategy of our government to push forward all the reforms, and we are grateful to the European Union for so-called unbundling directives, said energy package, which was of great assistance for us to get rid of that dependence. Recently we celebrated a big event in Lithuania. We built a floating LNG terminal in our seaport. The ship with very good name, Independence, came in with a liquefied natural gas. And also we hope that maybe we have resources of shale gas as they have in Poland. We are trying to invite some foreign investors to look for possibilities to develop those resources, but still it's not very clear, do we have. And of course, I agree totally with Prime Minister Zapatero, we need to have much more of unity inside of Union on energy policies. But in order really to have a very clear target, we cannot lose development of our economy because we shall not be able to move with our energy strategies in Europe as they are doing somewhere globally. Of course, our economy is suffering because Americans are moving very, very rapidly forward with much cheaper energy resources. And if Europe will not be able to catch up, we shall fail. That is very clear. So, both to have independence, both to have competitive
resources, access to global markets. That is what we need to do when we are looking into our energy developments. Je vais continuer sur ce sujet parce que c'est étroitement lié à la croissance. Monsieur Balazs, ce débat sur le gaz de schiste, quel est son avenir en Europe? Est-ce que les pays sont très divisés les uns les autres? Est-ce qu'il doit avoir lieu? Il y a des discussions là-dessus, il y a des réserves en Pologne surtout, mais je partage la vision des pays baltes. Le plus important serait de trouver des alternatives aux oléoducs et aux gazoducs direction est-ouest qui rattachent ces pays à l'ancien marché commun. N'oublions pas la connexion turque, toutes les solutions qui traversent le territoire de la Turquie, la mer Noire. Mais le plus important, ce serait de tomber d'accord sur un marché de gaz à l'intérieur de l'Union européenne avec toute l'infrastructure dont on aurait besoin. Et n'oublions pas, je me rappelle bien dans ma jeunesse, le premier choc pétrolier a averti l'Europe, la meilleure énergie est celle dont on n'a pas besoin. Donc ce qu'on n'utilise pas, ce qu'on économise. Il y avait beaucoup d'imagination à l'époque, en France, dans d'autres pays, comment avec une meilleure isolation, avec meilleure technique, on pourrait économiser beaucoup d'énergie. Anne-Marie Lizin. Simplement le débat sur le gaz de schiste, évidemment, nous on le joue plutôt, nous en Belgique, je veux dire, on va le jouer beaucoup plus dans la négociation avec les États-Unis. Quand M. Obama est venu pour une des toutes grandes réunions de l'OTAN au moment de la crise ukrainienne, en fait, l'élément principal qu'il voulait débattre, c'était le remplacement et l'arrivée de M. Stoltenberg à l'OTAN, mais c'était surtout vendre le gaz américain. Et donc, je pense qu'on s'oriente, si tout se passe, vers cette formule-là, ce qui laisse quand même ouvert tout le débat vers les investissements qui doivent partir de la Caspienne et qui, au travers de la Turquie, viendront en Europe nécessairement. Et avec ceci, en citant M. de Margerie, dont on connaît la fin bien, bien triste, qui était que les investissements de la Caspienne traversant l'Azerbaïdjan, la Géorgie, la Turquie ne seraient rentables que s'ils ont un accès vers l'Iran. Et donc, c'est là qu'on voit que l'Europe est encore, dans cette matière-là, comme dans les sanctions à l'égard de la Russie, tributaire d'une politique qui n'est pas la sienne, en fait, parce que l'intérêt énergétique de l'Europe n'est pas de se couper non plus de cette partie-là. On ne peut pas tout ramener en termes de géopolitique à l'énergie, mais dès qu'on veut regarder l'intérêt de l'Europe par rapport à l'énergie, alors on n'aime plus la même politique étrangère. Et donc, c'est important de le voir, et tout en sachant qu'on va choisir les États-Unis. On mesure d'ailleurs l'étendue de vos divergences sur cette question de la Russie, entre vous, entre M. Kubilius. Un mot peut-être Yves Bertoncini sur ce sujet capital de l'énergie qui est crucial, qui touche à tout, qui touche à la croissance, qui touche à la politique étrangère. J'imagine que vous travaillez dessus un peu à notre Europe. Quelles sont les chances de voir ce débat posé dans l'espace public européen? Alors, effectivement, Jacques Delors et Jerzy Buzek, qui étaient à l'époque le président du Parlement européen polonais, ont proposé il y a 4 ans de mettre en place une communauté européenne de l'énergie. Alors, vous me demandez quelles sont les chances de voir ceci arriver. Elles sont sérieuses, elles sont réelles. Il y a maintenant à la Commission européenne, mise en place par Jean-Claude Juncker, un commissaire qui est chargé de l'union de l'énergie. Et là, je rejoins tout à fait Monsieur Zapatero, quand il dit que là est l'horizon, parce qu'évidemment, on peut aller vers le gaz de schiste ou pas vers le gaz de schiste, le nucléaire ou pas le nucléaire, le pétrole, le gaz. D'ailleurs, l'Union européenne ne décide pas sur ces sujets. Ce sont ses États membres qui sont libres de choisir leur mix énergétique. Ce qui peut, en revanche, être fait au niveau communautaire, c'est des gains énormes si on a une réflexe d'union sur les sujets énergétiques. Quel est le problème jusqu'ici? Je dirais qu'on est encore sur un concept d'indépendance énergétique nationale. Moi, je souris toujours quand j'entends parler de l'indépendance énergétique nationale, parce que quand je regarde les chiffres, en réalité, aucun pays d'Europe est indépendant énergétiquement nationalement. Personne. Ça n'existe pas, l'indépendance énergétique nationale. Ce qui existe, ce sont
c'est la dépendance énergétique extérieure. Et les risques, il y a certains pays qui sont moins dépendants que d'autres. Les risques, oui, mais tous le sont désormais. Les risques liés à la dépendance énergétique extérieure. Et donc, ces risques, il faut les affronter ensemble. Il faut créer une union de l'énergie, des interconnexions, les investissements nécessaires, et puis aussi, effectivement, avoir des capacités de négocier, d'être solidaires vis-à-vis de nos fournisseurs, pas seulement la Russie, les pays du Golfe, les pays du Maghreb, les États-Unis. Ça, c'est un réflexe unitaire qui engendrerait des gains bien supérieurs à l'éventuelle exploitation des gaz de schiste en Europe. Bon, on est un peu à court de temps, malheureusement. Je vais peut-être prendre une ou deux questions dans la salle. Allez-y. Je n'ai pas résisté à l'envie d'interagir avec un panel. Vous aussi. Pouvez vous présenter peut-être ? Ben, moi, je suis ex-ministre délégué aux Affaires étrangères du Maroc. J'étais ex-secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Actuellement, je suis au cabinet royal à Rabat, auprès de Sa Majesté. Alors, je n'ai pas hésité pour intervenir parce que j'ai remarqué que malgré la divergence, malgré le contexte de crise économique et financière en Europe, malgré les incertitudes autour de ce nouveau Parlement européen, vous l'avez signalé, M. Attal, de la montée des extrémismes en Europe, aujourd'hui, l'Europe est unie. Elle a une vision unie quant à l'avenir, à son avenir. Mais en tout cas, moi, je suis un peu... Ces Européens-là sont unis, mais c'est peut-être un peu trompeur. Hein. Justement. J'y viens. En tout cas, j'étais un peu déçu parce que j'aurais aimé que... Bon, Zapatero en a parlé, je vais en dire un mot, sur une vision par rapport à votre environnement. Si aujourd'hui, pour vous, pour l'Europe, la compétitivité et la croissance est une priorité, je crois qu'aussi votre environnement vous interpelle aujourd'hui. Un contexte difficile au sud de la Méditerranée, avec des transformations politiques, avec des opportunités. C'est une opportunité pour vous, parce que la croissance en Europe, c'est important. Mais sans votre arrière-pays, Jacques Barrault le disait, l'Afrique et la Méditerranée, vous ne pouvez pas avancer. En tout cas, moi, je souhaiterais donc une nouvelle vision pour l'Europe, pour son environnement immédiat. Let me say two words about Mr. Kubilius. I think you said that for Europe, it is important to have Russia and to have Turkey a member of the European Union. And Mr. Bassas knows that because thanks to the instrument you had in Europe and the political perspective, you were able to join Hungary, Poland. It's not the case of the Mediterranean partners. And for these reasons, I think we need to revisit the neighborhood policy with new tools. Some of the tools exist, new tools. We need to revisit, to reshape the neighborhood policy. Because at the end of the day, the promotion of growth is tomorrow the Mediterranean, is Africa. It is an opportunity for you, Europeans, to compete with China and America. Because this is your strategic, I think, space for you. Bon, vous avez été... Muchas gracias. One more for Zapatero. I think it's important. Muchas gracias, Presidente, porque usted ha hecho un gran trabajo a nivel de la Unión Europea. Yo me acuerdo que durante su presidencia usted presidió la primera cumbre en Granada entre Marruecos y la Unión Europea. Esto es un instrumento importante para que podamos conversar, no solamente políticamente, pero también trazar perspectivas para el futuro. Necesitamos un país como Marruecos que ha hecho la elección de la Unión Europea gracias al papel de su majestad el Mohamed VI. Hoy en día tenemos un estatuto avanzado con la Unión Europea. Eso pienso es la posibilidad para Europa de buscar competitividad, de ganar, porque al fin del día es cómo podemos crecer conjuntamente. Y como dijo Ashton, we need not only money and mobility and market, pero necesitamos un espacio de paz y de estabilidad y de et ensure prosperity. Voilà. Bravo pour cette question polyglotte. Anne-Marie Lizin, un mot, mais très rapidement. Ça va ? Bon, monsieur. Vraiment une question. Parce qu'on a déjà dépassé, je ne voudrais pas qu'on dépasse trop. Arif Salahdine, professeur à l'Université d'Evry, chargé de mission pour les pays du Maghreb. Bonjour. Bonjour. Je pose une question très, très simple et très directe. En 57, lorsque l'Europe s'est constituée, il y avait 6 pays. En 2014, il y a 28. Alors, je voudrais savoir, à travers nos intervenants, où en est-on avec les deux questions essentielles depuis 57,
à savoir l'efficacité décisionnelle et le principe de démocratie. J'allais dire, c'est une vaste question qui mériterait peut-être une heure. Hein. Bah, oui, Yves Bertoncini, allez-y. Minute, c'est facile. Non, ce que je voulais dire, alors là, on est exactement entre les deux questions, au cœur du sujet. Je crois que l'Union européenne vient de passer 5 années à se regarder elle-même. Tout à l'heure, j'évoquais le contrat de mariage. Quand on est en train de regarder les termes du contrat de mariage, c'est que l'Union ne va pas très bien. Et surtout, on se demande encore ce qu'on fait ensemble. Ce qu'il faut pour l'Union européenne, c'est regarder les pays de l'Union européenne vers l'extérieur, vers le monde. Il se trouve que pendant 4-5 ans, le monde n'a pas arrêté de tourner. Le président Zapatero nous a rappelé 3 chiffres tout à l'heure. 3 chiffres. À mon avis, beaucoup plus important d'ailleurs que les 3 premiers chiffres que nous avions cités. Vladimir Poutine s'est rappelé à nous. Daesh s'est rappelé à nous également dans la période. Je crois que, vous voyez, je vous réponds, monsieur, vous avez raison, l'Union européenne doit regarder ses cousins du Sud, ses voisins de l'Est ou ses cousins de l'Est. Et si elle fait ça, si elle trouve un sens nouveau dans des projets comme la communauté européenne d'énergie, comme la promotion des valeurs du modèle européen dans la mondialisation, eh bien je dirais que tout le reste lui sera donné par surcroît et que le fait d'être 17, 18, 28, 29 n'est pas très important parce qu'il y aura un projet collectif qui dépassera suffisamment les intérêts nationaux pour donner un dynamisme à l'ensemble. Merci Yves d'avoir été aussi bref. Allez, un petit mot, Madame Lizin, et ensuite Peter. Donc simplement, État membre de départ et même complètement impliqué dans les tout débuts, c'est évident par exemple pour la Belgique qu'il faut garder un rôle pour les petits pays. Donc c'est clair qu'il y a eu au moment du sommet de Nice, enfin de tout ce qu'on a pu faire à ce moment-là, un rééquilibrage, une pondération des votes qui permettait quand même de tenir compte des équilibres. Parce que nous admettons facilement que quelques grands pays ont des difficultés à comprendre que le Luxembourg ait le même niveau de vote qu'eux. Bon. Donc, mais tout de même, la démocratie entre États, ce qui est une des difficultés du Conseil, c'est un pays, une voix, sauf lorsqu'on demande le vote pour des. Donc ça a été très difficile à obtenir, mais il faut bien tenir compte, vu des petits pays, que c'est important de garder cela, parce que ça nous donne le sentiment. En contrepartie, nous devrions être beaucoup plus pro-européens, en quelque sorte. La difficulté qu'on a, c'est au niveau de la politique intérieure dans les pays, c'est d'expliquer positivement les décisions européennes. Et c'est ça qui, encore aujourd'hui, fait le décalage entre la population et ceux qui siègent au Conseil et à l'Europe. C'est qu'on explique à l'intérieur des forces politiques dans un pays, on explique négativement les décisions de l'Europe sur la pêche, sur l'agriculture en règle générale. Rentrons pas trop dans le détail, Anne-Marie, il faut aller vite. Voilà. Bon. Peter, La démocratie s'est étendue, la capacité ou l'efficacité des décisions est en déclin. On pourrait élargir le cercle si on pouvait augmenter notre efficacité. J'en ai dit quelques mots à l'adresse du Conseil. Je voudrais terminer avec une dernière question pour M. Zapatero. Vous avez plaidé de manière très convaincante pour plus d'Union, plus d'Europe comme la réponse aux difficultés européennes, en montrant bien que tout le monde savait qu'il fallait faire ce plus d'Europe pour que la monnaie unique réussisse. Si on ne fait pas ça, est-ce que vous pensez qu'il y a un risque, pour reprendre la métaphore d'Yves, est-ce qu'il y a un risque de divorce, c'est-à-dire de fin de l'euro, de la monnaie unique ? Non, mi opinión es muy clara y muy contundente. La Unión Europea es un proyecto irreversible. El euro es un proyecto irreversible. No hay ningún riesgo. La cuestión es que Europa puede estar, y la zona euro, 5 años más convaleciente, sufriendo, o si hacemos y aceleramos los procesos de unión e integración. Y añadiré, en fin, la invocación a la democracia europea, con 28, es un debate.
pero es un debate mucho más intenso porque la economía no funciona. Cuando la economía no funciona, se abren todos los debates. Vamos a hablar claro. Y el problema que tenemos es que en los últimos 25 años Europa ha perdido potencial de crecimiento económico y ha tenido que endeudarse para seguir manteniendo su nivel de bienestar. Y termino. Lo único claro en términos políticos que ha dado esta crisis es el liderazgo de Alemania. Con todos mis cariños a mi querido país, Francia, al que admiro, porque es el país de la Revolución Francesa, es el país de las libertades, pero hoy el liderazgo de Alemania, hay que ser realistas, es incuestionable. Por ello, me parece importantísimo que hubiera un diálogo triangular, Francia, Italia y España, que son tres potencias en Europa. Tiene que haber un diálogo triangular, sobre todo porque además es la perspectiva mediterránea, de contrapeso a lo que es el contexto europeo y mediterráneo. Y Europa tiene que hacer, con esto voy a concluir, de verdad ya, en fin, me estoy acordando, por acordarme de Grecia, que es el país que más ha sufrido en esta crisis y ante el que tenemos que tener la máxima solidaridad, ha sufrido mucho. Recuerdo la escena final de esa magnífica película que es Zorba el Griego, ¿no? Cuando Anthony Quinn dice, adelante, juntos, otra vez. Pues eso es lo que tiene que hacer Europa, juntos, otra vez, que lo hemos intentado muchas veces en la historia, y adelante. Y sobre todo mirando al sur, porque en el sur, en general en el mundo y para Europa, en el sur van a estar las respuestas en las próximas décadas en el mundo. Gracias. Merci, Monsieur Zapatero. Merci à vous tous pour ce très intéressant panel. Merci de votre attention. Bonne fin d'après-midi.